Yo les potes, c'est une nouvelle vidéo. J'avais très envie de la faire celle-là. Je vais vous montrer les 10 skins de Fall Guys les plus rares du jeu. Donc les 10 skins les plus rares. Si vous avez les 10, vraiment vous avez le meilleur casier. D'ailleurs, dans les 10, il y en a beaucoup que j'ai pas, surtout les 3 ou 4, les 3 ou 4 plus rares. Alors on va commencer avec un bonus parce que ce skin-là, donc Shell, le skin qui est dans la boutique actuellement, et ben c'est un skin de partenariat. C'est un partenariat avec Portal, le jeu vidéo. Du coup, je vais vous montrer la petite référence. Regardez, voilà. C'est exactement Shell dans Portal. On peut voir toutes les références, aperture, le petit... Je sais pas comment on appelle ça, le petit fusil. Les cheveux, la veste, les talons. C'est exactement pareil. Donc voilà, belle référence. On va passer tout de suite au skin numéro 10. Donc le 10e plus rare du jeu. Comment on met en plein écran? Ok. Du coup, c'est parti pour le 10e. Alors, le 10e skin le plus rare du jeu, c'est Alyx. Donc, Alyx, c'est un skin de partenariat. Partenariat avec le jeu Half-Life. Du coup, il coûte 5 couronnes. Il était revenu il y a longtemps. Je vais vous montrer la référence. Non, c'est pas lui, c'est là. Donc, voilà, c'est une fille d'ailleurs. Si jamais il y en a qui pensaient que c'était un garçon, on reconnaît clairement les cheveux avec le petit bandeau. Regardez. Voilà, c'est clairement pareil. Du coup, voilà. Pour ce petit skin, on passe tout de suite au 9e skin qui est Jacket. Ce skin est aussi un skin de partenariat. C'est un skin qui est un partenariat avec le jeu Hotline Miami. Mince, attendez. Hop là. Voilà la référence. Donc le jeu c'est Hotline Miami. Et genre on voit clairement que c'est lui. Enfin voilà quoi. Hop, on va tout de suite passer au suivant. Alors, le 8e je crois. On a Scoot. Je crois que c'est l'avant-dernier skin de partenariat. Donc Scoot, si vous n'avez pas la référence, je vais vous montrer pareil. C'est, voilà, Team Fortress. Donc voilà, on peut le voir, c'est exactement le même. Voilà. C'est cool qu'ils fassent des petits partenariats avec des jeux vidéo. Ensuite, on passe au suivant. Et là, ça va être 3 skins en même temps. Parce que ce pack, c'est le pack fast-food. Vous avez le skin de frites, de sorbet, milkshake et deux burgers. Et ce pack coûte 5 euros. Et vu que c'est un pack qui est payant, je le considère un peu rare, surtout si dans le futur il vient à disparaître et qu'il ne sera plus achetable. En tout cas, voilà pour le petit pack. Ensuite, on a ce pack-là. Et après ce pack, vous verrez, c'est les signes les plus rares du jeu, mais genre vraiment des trucs ultra rares. Du coup, ce petit pack, c'est le pack à 10 euros, je crois. C'est le pack collector. Vous avez le pirate, la licorne, l'astronaute, plus une danse et 10 000 kudos. Donc c'est très très cool. Du coup voilà les 3 skins qui sont rares si le pack vient disparaître dans la boutique. On passe tout de suite à des skins ultra rares. On va commencer par ce skin là. C'est le skin qui est débloquable au palier 36 et pour le pantalon 33. Sachant que le pass de combat c'est 40 niveaux, et ben lui il est niveau 36. C'est le skin le plus haut du pass de combat. Donc si vous le voulez, dépêchez-vous, c'est très dur à farmer. Moi je l'ai débloqué, je suis niveau 40. C'est très dur à farmer, il vous faut 35 000 XP au total, sachant qu'on gagne à peu près 100 XP, 200 XP. Donc il vous faudra à peu près, sachant qu'il y a 35 000 XP, je pense qu'il vous faudra plus 30 000 games, je sais pas. Non, je sais pas. 300 games, 500 games, je sais pas. En tout cas, il faudra jouer énormément si vous voulez le débloquer. On continue avec le skin Loup-Garou. Alors normalement, vous l'avez tous dans votre casier. Mais il faut savoir que ce skin, normalement, à la prochaine saison, ou même très bientôt, il va disparaître. Ça veut dire tous ceux qui vont jouer à Fall Guys dans les prochaines saisons, ils n'auront plus le skin. Enfin, ceux qui l'avaient déjà, ils vont le garder. Mais tous les nouveaux joueurs ne l'auront pas. Du coup, c'est un skin qui sera plutôt rare dans le futur. Et là, vous êtes prêts, ça va être le top 3 ou 4, je sais plus. Non, c'est 4. Top 4 des skins les plus rares. Non, top 3, je sais plus. Bref. On a en troisième position le skin Cactus. C'est l'un des skins les plus rares de Fall Guys. Si vous l'avez, vous êtes très chanceux. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, le jeu Fall Guys, déjà, faut savoir, il a commencé il y a à peine un mois. Le jeu, il a été lancé il y a à peine un mois. Et ce skin, pour l'avoir, il fallait jouer dans les 10 premiers jours. Les 10 premiers jours du jeu, si vous avez joué, tout simplement, vous allez le débloquer. Donc vous avez le bas, qui est très stylé, et le haut, Cactus. Du coup, moi, vu que j'ai acheté le jeu il n'y a pas très longtemps, je ne l'ai pas, malheureusement.
Et je pense qu'il ne viendra jamais dans la boutique. C'est un skin gratuit pour toutes les personnes qui ont joué dans les 10 premiers jours. Du coup, c'est un skin ultra rare. On passe pour le deuxième skin le plus rare du jeu. Le deuxième. D'ailleurs, c'est une référence à Half-Life, je crois. Regardez, on peut voir que c'est le même. Voilà, on peut voir l'armure, les cheveux roux avec les lunettes. Voilà le petit skin. Du coup, ce skin, c'est le deuxième plus rare. Pour le débloquer, il vous suffisait de précommander le jeu. En gros, vous devez acheter le jeu, mais en précommande, quand le jeu n'était pas sorti. En gros, vous le précommandiez. Je pense que vous avez compris. C'est comme si vous l'achetiez avant qu'il sorte. Et ce skin, il y a vraiment très peu de gens qui l'ont. Tout simplement parce que le jeu n'était pas connu. Du coup, pour précommander un jeu qui n'est pas encore connu, genre, enfin, c'est risqué. Du coup, ben voilà, tous ceux qui ont précommandé le jeu ont le deuxième skin le plus rare du jeu. Et pour le premier skin le plus rare, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Et c'est le skin bêta testeur. En gros, pour débloquer ce skin, vous deviez jouer à la bêta du jeu. La bêta, en gros, c'est quand le jeu n'était pas sorti. Vous testiez le jeu, en gros. Vous testiez pour voir si le jeu était bien, s'il fonctionnait bien. Et honnêtement, je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui l'ont. Parce que faire les tests d'un jeu vidéo en avance, c'est quand même rare. Du coup, voilà pour le skin bêta testeur. Je vais vous montrer quand même d'autres skins. Attendez, deux skins bonus, on va dire. Hop. Attendez. Voilà, c'est là. Apparemment, il va y avoir un skin Twitch Prime. Donc, si jamais Twitch Prime et Fall Guys font un partenariat et qu'il y a un skin Twitch Prime, et ben le skin sera rare, évidemment. Et aussi, le deuxième que je voulais vous montrer, c'est le skin Mediatonic. Alors, on va pas le voir, je pense. Va falloir que je le cherche. En tout cas, le skin Mediatonic, je l'ai encore jamais vu. C'est un skin en gros où il y a marqué M dessus. Enfin, c'est un skin plutôt stylé. Bref, je le trouve pas. Je sais pas où il est. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et pensez au code créateur INSU dans la boutique. Le résultat du concours pour le compte Fortnite, je l'ai déjà fait. Je vous sortirai la vidéo bientôt. Du coup, voilà. J'espère que vous serez contents. Et si le vainqueur ne se présente pas, eh bien, tout simplement, je referai le tirage au sort pour quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, il y aura un deuxième concours pour gagner un compte Fortnite saison 2. Donc c'est très rare, voilà. Ce sera aux 5 000 abonnés et aux 10 000 abonnés un compte Chevalier Noir. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo à vos amis. Ciao!